trouble out of the way. Oh yeah, oh, oh no. Friday night, smell a better, feeling ready, looking finally in your Jiguru Beando. With the magic in his eyes, checking every girl inside, grooving like he does the mambo. And he's the man, Ali La Disco, playing sexy, feeling hotter, he's the king, while I do it more, ragatanga. And the DJ that he knows well on the spot, always around, will place the mix that Diego mezcla con la salsa. Y la baila, and he dances, y la canta. Serehe, ha, dehe, dehe, de tu hebere, say, be unuba, mahavi, and the boogie, and the bbdb. Aserehe, ha, dehe, dehe, de tu hebere, say, be unuba, mahavi, and the boogie, and the bbdb. Aserehe, ha, dehe, dehe, de tu hebere, say, be unuba, mahavi, and the boogie, and the bbdb. Aserehe, Lui, il y a du sens. Lui, il y a du sens. Arrête de chanter. T'as chanté, t'as dansé ça pendant tout le temps des fêtes. J'ai jamais vu un gosse. Jamais dansé. Non. J'ai fait une vidéo en République dominicaine avec ta fille. Non. Toute la soirée, non. Mais là, que non, je suis pas capable de voir ce que je vois. T'as jamais été aussi quétaine. Je ne suis pas quétaine. Ah, t'es un monstre de quétainerie. Un parent gros de quétainerie. T'es pas Rousseau, pourquoi tu dis non? Bravo, gueule. Chérie, dans un an, jour pour jour, ce sera mon anniversaire. C'est donc dire que c'est ton anniversaire aujourd'hui même? Ah mais oui, ce que ça passe vite. Joyeux anniversaire, souffle. Maintenant, fais un vœu. D'accord. Ça a marché. Oh, ce n'est pas très gentil de m'avoir expédié en Sibérie. Pardon, je défais mon vœu. Ah, oh, merci. Maintenant, voici ton cadeau d'anniversaire. Que c'est intriguant. Je me demande bien ce que c'est. Déballe-le, tu verras. Je vais plutôt le déballer pour voir. Comme tu voudras. Ciel, si je m'attendais à ça, une femme à poil. Une femme à poil? Merde, je vais demander une femme à barbe. Mais c'en est une, elle porte la barbe un peu basse, c'est tout. Elle est peut-être à l'envers. Peut-être est-ce nous qui sommes à l'envers. À l'envers, son devant derrière ou son dessus dessous? À l'envers, cul par-dessus tête, à queue, recto verso, la tête en bas, les quatre fers en l'air, du sud au nord, à quatre pattes sur le dos, dans le sens contraire des aiguilles du tout, ce qui montre descend devant derrière. Ah, voilà qui explique tout. Inutile d'expliquer quoi que ce soit, puisque nous vivons dans un monde de fous. Ha ha! Tu sais, Marc, c'est une période cruciale en télévision en ce moment. Oui. On est à peu près à la mi-février. Les gens, évidemment, c'est vrai, c'est important, c'est que si tu as un projet de télévision, c'est le moment de le présenter. À un diffuseur ou encore un producteur propose quelque chose. Et souvent, ils attendent leur financement. Mm. Alors, je suis dans la bonne période. On est 18, c'est ça? Et je te présente ce soir un nouveau concept d'émission. Lunch de l'hôpital. Rogatien Bilodeau pour Wawa Nyeza. Chez Wawa Nyeza, c'est garanti. Si vous avez entre 0 et 138 ans, vous êtes automatiquement. Il n'en tient qu'à vous. Vous pouvez changer des choses en donnant généreusement à Fiston Mondial. Fiston Mondial! Yeah! Oui, vous avez bien entendu. Payez cette voiture aujourd'hui même et partez avec en mars 2008 seulement. Avec Wawa Nyeza, aucun représentant n'ira chez vous. Aucun formulaire à remplir. Aucun examen médical à passer. Aidez-nous à soulager ces pauvres chaises roulantes en leur offrant de merveilleux petits infirmes. Petits infirmes! De plus, soyez une des 5 premières personnes à être la 6e et courez la chance avec vos propres espadrilles. Cette très courte pause est une présentation des spermatozoïdes Fridan. Les spermatozoïdes Fridan. Les spermatozoïdes qui ne collent pas à la majorité des prothèses dentaires. C'est la promesse de Wawa Nyeza. Vous n'appelez pas au numéro qui n'apparaît pas au bas de l'écran, vous n'écrivez pas à l'adresse qui n'apparaît nulle part, et Wawa Nyeza vous le garantit, vous aurez la crise de paix. N'attendez plus! Vous seul saurez que vous avez payé aussi cher. Et ce n'est pas tout. Un magnifique splendide lecteur cassette gratuit sera remis à la première personne capable de retenir son souffle pendant 7 heures. Oui, 7 heures! Ne ratez pas la chance de ne pas la rater! Toto Québec a créé les services Mise toi dessus et fais-toi faire une mise au jeu d'en face afin de venir en aide à ceux qui n'arrêtent pas de jouer après le rouleau de 30 sous et le vider dans une fente. En vente chez tous les bons d'achat requis. Un seul client par personne. Respectez la posologie. Laissez refroidir avant de servir. Parce que je le vaux bien. Recommandé par Docteur Maman.
Ce bloc publicitaire était une présentation des cassettes vidéo Sœur Angèle. Les cassettes vidéo Sœur Angèle, des cassettes vierges. Les deux éléments principaux associés à l'hiver sont la neige, le froid et la neige. Bon, là, j'ai dit la neige deux fois au cas où il y a des gens qui auraient eu des problèmes de son sur leur télé la première fois que je l'ai dit. Là, tu vas me dire, mais oui, mais c'est à coup qu'il y a des gens qui ont des problèmes de son la seule fois que tu as dit le mot froid. Bon, c'est un bon point que tu apportes là, mais je suis en pleine vulgarisation, là, fait que ça me perturbe un peu. Donc, l'hiver, il fait froid. Oui. Ça suffit, les mystères. Oui, ben oui. Bon, l'effet que ça peut avoir le froid sur nous, c'est que ça peut nous faire grelotter, genre, il fait donc ben froid, brr. Oui. Ou encore, le froid peut nous faire frissonner, genre, il fait donc ben froid, brr. Ça ressemble au grelottement un peu. Oui, c'est vrai. Et en plus de grelotter, on peut avoir le réflexe, quand on a froid, d'effectuer des frottements avec nos mains sur notre corps. Oui. Genre, brr. Oui. Tu te frottes un peu. Oui, oui. Ça réchauffe le corps. Oui. Mais tu peux pas te frotter indéfiniment, sinon les gens autour de toi vont dire « Habille-toi au lieu de te frotter à tout bout de champ. » Ah oui. Tu comprends? Mais ironiquement, quand il fait froid, les gens ont tendance à vouloir l'extérioriser en disant « Ouais, ben il fait pas chaud. » Ça veut clairement dire qu'il fait froid parce qu'on dit qu'il ne fait pas chaud. Oui. C'est comme le... Autant un a de la classe et l'autre... Mais non, mais c'est parce que moi, je suis encore commandité par un Beauvais taille forte. C'est de pire en pire. Hein? Oui, oui, c'est bien. Mais qu'est-ce qu'il a à chialer encore? Il a faim, c'est tout? Eh ben, pas moi! Viens, mon petit. Mais on dit que l'appétit vient en mangeant. Je ne te laisserai pas me manger cru, tout de même. Pourquoi pas? Attends! Je me mets 30 secondes au micro-ondes et je te reviens. En attendant, je vais nous chercher un petit film de cap et d'épée. Grrr! Ouf! À tout de suite. Allez, ne me fais pas languir et enfile-moi ton verre. Tu sais très bien que je suis vermifugé. Viens prendre ton pied marin. Pas question. Si je t'écoutais, il faudrait faire l'amour une fois par jour. Ou un jour parfois. Laisse-moi. J'ai d'autres chats à fouetter. À mon tour. Je ne fouette que les membres de la SPCA. Assez. OK. Alors donc, vous avez fait... Oui, j'ai un espèce de montage de moments difficiles. Non, je suis allé dans l'air du moment, Marc. Je me suis dit que ma solitude d'artiste, je vais la transformer en reality show, parce que c'est la grosse mode. Ben oui, c'est ça qui pogne. Hein. On sait qu'en ce moment ici, bon, il y a le château Pellado qui est retenu pour faire une émission. Non, c'est vrai, pour faire une émission de télévision, ils ont mis des caméras là-dedans. Ah oui. Alors, mais j'avais déjà fait ça, moi. L'émission qui suit est rendue possible grâce à la contribution de seulement quelques commanditaires. Chez moi, j'ai pas d'amis, mais j'ai des caméras. Certains diront que c'est de la schizophrénie. Mais non, c'est Star a pas d'amis. Laissez-vous aller et place au drame. Est-ce un problème d'ordre féminin, dites-moi, vous? Vous ne vous sentez pas fraîche? Vous avez vu juste, Cricket? Je mets pourtant du pot pourri dans mes bobettes. Je dois vous avouer que j'ai un terrible problème. Une fraîcheur? Essayez Vagisil, une crème non graisseuse, idéale pour la femme active aux prises avec un problème de fourche de morue. Le café est enfin prêt, mesdames. Une tasse était vide. Je téléphone immédiatement à un autre médecin qualifié, et ce, avec l'énergie du désespoir. Oui, allô, ici le docteur Bubby Brentwood. Que me voulez-vous? Hey, Bubby, une patiente a besoin de vous. Elle est victime de... Problème de fraîcheur? Non, elle est en danger. Faites vite, la situation est critique. Ne craignez rien, j'arrive tout de suite. Que se passe-t-il? Écartez-vous!
Je vais défoncer cette porte d'un coup d'épaule viril. Allez, hop! Nos langues interprétant un somptueux ballet lorsque notre bonheur se transforma en horrible cauchemar. Oh! Horreur! Le froid a collé nos lèvres. Horreur! Qu'allons-nous faire? Je vous en prie. J'ai besoin de rester seule. Je comprends. Est-ce à cause de votre horrible problème de mauvaise haleine? Et non, Brett. Et ce, même si le moindre de mes soupirs a la capacité de décaper les meubles. Eh bien, soit. Je vous laisse. Bonsoir, Ashley. Bonsoir, Brett. Oh, nous voilà enfin séparés. Célébrons l'événement en faisant une ludique bataille de boules de neige. Non, je vais rentrer. Oh, laissez-vous tenter, jolie pâquerette. C'est si amusant. Bonsoir, Ashley. Bonsoir, Brett. J'arrive, ma galante gaufrette. Je suis tard, vilaine. Mais ma foi, je fends l'air, tel un obus. Lâchez cette arme. Lâchez-la. Lâchez-la. Oui. Trixina! Vous allez ruiner ma superbe moquette! J'apporte le repas du soir et j'ai une excellente nouvelle! Il y a du cake! Oh, Ashley! Vous ici! Je vous laisse. Au revoir, docteur. Au revoir, Brandon! Et ne craignez rien! Ashley n'apprendra jamais que vous vouliez secrètement l'épouser, mais que c'est maintenant impossible parce qu'un canard vous a arraché le paquet! Je n'ai rien entendu. Nous mourrons donc blottis l'un contre l'autre. Oui. Moi et vos fermes mamelons. J'aurai enfin ma vengeance dans 10, 9, 8. Je vais prendre l'escalier. Oh là là, mais c'est un pur régal. Oh, ah, encore, encore, oui, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Oh oui. Kirk, vous devez lâcher prise. Je ne peux pas. Le froid a collé ma main à votre postérieure. Et qu'on nous apporte une bouilloire. Mais Ashley, vous avez ouvert les liens, mais non pas l'oxygène. Vite, fermez la valve. Vite. Je n'y arrive pas. Mes mains sont enduites de vagicile. On m'avait promis une crème non graisseuse. On m'a menti. Hey. Enfin, la médaille d'or. Adieu. À jamais. Adieu, mon amour. Et maudites soient les lois de la physique qui firent que ma main moite reste accolée aux paillettes de votre derrière. Kirk, au secours! Ma poitrine est coincée! Brandon! Ina! Ina! Je dois trouver des secours! Vite! À l'aide! Beurette! Le plafond est en train de s'effondrer! Calmez-vous, docteur! Je suis spécialiste de ce genre de sinistre, car il n'y a aucun danger! Brett est mort! Horreur! Inerte! Non, Tastré! Il est bien fifant! Heureusement, l'impact de la chute de cette poutre de 2 tonnes a été absorbé par mes testicules.
Dieu soit loué. Je suis libre. Libre. Brett, je suis si heureuse. Moi aussi, Cricket. Oh, observez le vol majestueux de cette mouette. Oh. La coquine, elle a dépéqué sur notre goûter. Qu'importe, nous nous aimons. Brett, nain, vos souvenirs sont incomplets. Puisque vous oubliez cette nuit de tempête où nos vies devinrent un cauchemar. Ah oui, maintenant je m'en souviens. À l'aide ! Arrête ! La tempête m'emporte ! Tenez bon, Cricket ! Une aile ! Rien du fait ! Adieu, mon amour ! Brooke Porter, ma rivale toujours. C'est bien moi. Et sachez que durant votre absence, Brett est devenu mon fiancé. Mina, Mina. Je suis si heureuse. Moi aussi, Brooke. Oh, observez le vol majestueux de cette mouette. Oh. Oh. Oh, la coquine. Elle a déféqué sur notre goûter. Je vais l'enchasser immédiatement. Non, ne faites pas ça, pauvre innocente! La mouette est un redoutable animal! Oh, Brett, faites quelque chose! Me voilà la proie d'un palmipède! Oh, quel enfant! Ne craignez rien, Brooke! Je vous sauverai! Cette mouette est coriace! Voulez-vous m'épouser? Je le veux. Comment avouer à Brett que bien que mon rôle d'infirmière me tienne à cœur, je ressens le besoin d'être aimée. Vous me dégoûtez. Ashley, vous pleurez? C'est la colère qui me fait verser les larmes. Oh, que se passe-t-il? Je me sens si faible. Ne craignez rien, Becky. Nous faisons tout pour vous sauver. Mais... Et Bobby, il vient me surépond dans la chambre. Oh, j'en ressens les effets. Faites quelque chose. Assez. Oh, il est trop tard. Nous allons tous mourir. Une la vie vaut la peine d'être vécue. Oh, mes yeux se recouvrent d'un voile de ténèbres. Oh... Accrochez-vous à la vie. Becky, mon amour. Baby, elle est morte. Elle est morte. Elle ne connaîtra donc jamais mon terrible secret. Elle ne saura jamais que je suis enceinte de son enfant. Cueille-t-on les fleurs? Ça ne peut pas durer toujours. Pourquoi la nuit fait-elle si peur? Pourquoi le monde est sans amour? Je fréquentais alors des hommes un peu bizarres.
aussi légers que la cendre de leurs cigares. Ils donnaient des soirées au château de Versailles. Ce n'étaient que des châteaux de paille. Et je perdais mon temps dans ce désert doré. J'étais seul quand je t'ai rencontré. Les autres s'enterraient, toi tu étais vivant. Tu chantais comme chante un enfant. T'étais gay comme un Italien. Quand il sait qu'il aura de l'amour et du vin. Et moi pour la première fois, je me suis enfin senti fou. Toi et moi, nous vivons presque un début de deuil. Voilà maintenant 7 ans que toi et moi, nous faisons de la télévision... divertissante! Tous les jours, divertissante ou hebdomadaire. Ou hebdomadaire. Depuis 7 ans. Ouais. Et nous arrêtons tous les deux ensemble, cette année. Alors voilà un petit peu la raison pour laquelle on a choisi cette espèce de mélopée quand même joyeuse, mais de départ. Oui, mais qu'on pourrait qualifier de profondément quétaine, mais de bon goût. Exactement. Voilà le genre de répertoire que j'adore. Alors, allons-y, Guilla. Oui. Place-toi devant ton spectre. Et Monsieur voilà. Jean Saint-Jacques, allez-y, on vous écoute. Les matins se suivent, se ressemblent. Quand l'amour fait place au quotidien. On n'était pas fait pour vivre ensemble. Ça ne suffit pas toujours de s'aimer bien. C'est drôle, hier on s'ennuyait, mais c'est à peine si l'on trouvait des mots pour se parler du mauvais temps. Et maintenant qu'il faut partir, on a 100 000 choses à dire qui tiennent trop à cœur pour si peu de temps. On s'est aimé comme on se quitte, tout simplement sans penser à demain. À demain qui vient toujours un peu trop vite, aux adieux qui quelquefois se passe un peu trop bien. On fait ce qu'il faut, on tient nos rôles. On se regarde, on rit, on crâne un peu. On a toujours oublié quelque chose. C'est pas facile de se dire adieu. C'est trop bien que trop tard, demain peut-être ou même ce soir, on va se dire que tout n'est pas perdu. De ce roman inachevé, on va se faire un conte de fées, mais on a passé l'âge, on y croirait. Se passe un peu trop bien. Roméo, Juliette et toutes les autres, au fond de vos bouquins dormez en paix. Une simple histoire comme la nôtre, c'est vrai, est de celle qu'on n'écrira jamais. Allons petit, il faut partir, laisser ici tes souvenirs. On va descendre ensemble si tu veux. Et quand elle va nous voir passer, la patronne du café va encore nous dire salut les amoureux. On sait.
ce bitch. Tout simplement sans penser à demain. À demain qui vient toujours un peu trop vite. Aux adieux qui quelquefois se passent un peu trop bien. On sait aimer comme on se quitte. Tout simplement sans penser à demain. À demain qui vient toujours un peu trop vite. Aux adieux qui quelquefois se passent un peu trop bien. Aux adieux qui quelquefois se passent un peu trop bien. Depuis si longtemps des amis je me cherche. Oula, oulala. Mais depuis que j'ai fondé le club La Brèche. Oula, oulala. Des gens captivants avec moi sont de mèche. Oula, oulala. Le club La Brèche. On y va donc avec la chronique de Monsieur Martin Matt. Oui. Bon. Merci, Matt. Ça fait plaisir. Ouais. On va parler finances, donc, est-ce que tu reviens à tes amours? Enfin, c'est peut-être pour le temps des fêtes, j'imagine que ben, c'est pour donner des trucs aux gens, parce que les fêtes, habituellement, ça coûte très cher. Oui. Alors, c'est une série de trucs pour économiser. Mm-hmm. Ceux qui ont des enfants, ça coûte une fortune en cadeaux. Oui. On s'en cache pas. Ben ce que je vous conseille de faire, c'est d'emballer énormément de cadeaux. Vous emballez des roches, des morceaux de bois, du sable, mais beaucoup, beaucoup, beaucoup. Oui. Le 24 au soir, les enfants sont excités, il y a beaucoup de cadeaux, vous allez à la messe de Noël. Mm-hmm. Et pendant la messe, vous feignez d'avoir envie de pipi. Mm. Vous allez à la maison, vous jetez tous les cadeaux dans la rivière. Okay. Quand vous revenez à la maison, tout le monde est déçu, vous êtes fait voler les cadeaux. Oh. Et pour plus de véracité, vous avez égorgé le chat. Tu sais, Parce que... J'ai un conseil aussi. Le conseil de la... Enfin, de la période des fêtes, j'imagine. Non. Non. C'est un conseil de la semaine par rapport aux investissements. OK. As-tu d'autres choses... Non, excuse-moi. Mais... Vas-y. Non, c'est juste que j'étais prêt. Puis... Mais... Non, c'est juste que le marché boursier recommande à prendre... Ah, c'est drôle, ça. Ben oui, ben... T'es très drôle, ben maintenant, ben oui, mais j'ai un conseil, puis c'est je l'ai préparé. Ben non, mais t'es drôle, t'es ben fatigué, oui, t'es ben... sur bord du four rire, ben tout ça, oui. Ça nous fait non, rire. Non, je suis pas sur bord du four rire. Regarde, là, j'ai des gaz. Des... Bon. OK, j'ai un conseil. La bourse commence à... J'aimerais si tu fais pour le conseil, oui. Oui. Okay. Alors, je le conseille rapidement. La bourse commence à augmenter. Je reçois beaucoup d'appels, beaucoup d'emails et tout ça. Oui. Et ils nous disent, vu que ça remonte, les taux sont encore bas, ça vaut-tu la peine d'investir vu qu'on paye pas cher? Oui. Moi, pas sûr. OK. Moi, pas sûr. Et c'est surtout ma dernière chronique et c'est pour ça. C'était il y a 2 ans. Le chroniqueur signait l'un de ses derniers reportages et disparaissait. Une absence qui intrigue. La presse titre « Ouais ». Le Devoir mm-hmm. Et le Journal de Montréal « Pi ». Que s'est-il passé? La rumeur veut qu'un séjour en Californie pour y subir une chirurgie plastique transforme le chroniqueur en fantaisiste embauché sur des croisières. Extrait. Le cinéaste Denis Arcand reconnaît qu'un artiste peut avoir besoin de recul, mais dans son propre cas... Moi, ça m'est jamais arrivé. En réalité, devenu comédien, le chroniqueur animateur qui, comme on peut le voir ici en entrevue, porte plusieurs chapeaux, reçoit des offres. Il est pressenti pour incarner la vie du commandant Robert Pichet. Extrait de l'audition. Veuillez rester assis jusqu'à l'arrêt complet de l'appareil. Une défaite qu'il prend du bon côté. Mais aujourd'hui, Brassard est un homme heureux, surtout qu'il rentre de vacances en République dominicaine. À sa grande surprise, devinez qui se trouvait à quelques mètres de lui sur la plage, face à face avec Jean-Marie Le Pen. Vous avez bien entendu, Jean-Marie Le Pen, le chef du parti d'extrême droite, le Front National. Impossible de rester tranquille pour le chroniqueur, il devient paparazzi pour le grand blond. Et ça donne... Ouais. Mieux. Oups. On s'approche. Presque. Le voilà. Je vous jure, c'est lui. Ici, il fait même de l'exercice.
Le voilà qui place sa serviette. Il ajuste son maillot. Sous les palmiers, il s'installe. Que fait-il? Il lit. Mais que lit-il? Mais que lit Le Pen? Je sais pas, j'ai jamais su. Acclamé dans le monde entier, il vous revient avec ses plus grands succès enfin réunis sur un même CD. Voici Flûte de gland volume 1 de Zunfir. Alors, c'est ce couple-là, donc, plus okay. tard. Ah, j'ai arrêté au nez, papa. Fauche-moi donc ton mouchoir. Putain, jamais. Oh! Plancha, jamais. Ben, marché. T'es beau, ma grosse. Tu sais que je t'ai toujours dit les vraies affaires. Quand tu sors les vidanges, tu déranges tout le quartier. Menteuse! Hey! Un instant! Calme-toi, Geneviève Artissier. T'as raison, Michel. Je m'emporte. Faut que tu fasses quelque chose. Ben là, regarde-moi pas de même. Ben là, c'est pas moi qui ai pris de la soupe au bois à midi. C'est le chat qui s'en marre. Hypocrite, moi. Ah, je suis capable, chat. Ouais, ben, tant qu'elle est sortie, là, va donc nous chercher du Saint-Hubert, il y en a un juste en face. Ouais. Bonne idée. Toi seul, Chantal, peux régler un gros problème de bitcherie envers deux personnes bien connues. Juste avant le Grand Blond, à 22h27, on peut voir Colette Provencher qui parle météo. Cependant, Sophie Thibault envoie toujours une petite bitcherie à Colette. Ah, d'accord. Bonsoir, Colette. Bonsoir, Sophie. Quel joli chapeau. Merci. La température peut nous surprendre. Il faut tout prévoir, Sophie. En tout cas, s'il fait un temps à porter un chapeau comme le vôtre, on va prévoir en effet. Tu peux en prendre une paire, les presser pour extraire tes vilains comédons. Ah oui, on peut se faire plaisir avec une canne de thon. Mes meilleurs amis sont en conserve. On joue, on rit, on chante et parfois on s'énerve. Mais faut pas dépasser la date d'expiration. Hey, merci, Chantal, bravo! Oui, la petite l'a adoré. Magnifique.